Il y a au-delà de 550 millions d'armes à feu dans le monde qui sont en circulation. Ce qui fait une arme pour chaque 12 habitants de la planète. La seule question est... Comment est-ce qu'on arme les 11 autres ? Tous les gosses d'aujourd'hui rêvent d'être armés. Fausse à l'armée, de la boue au béton armé. Mais qui va carmer les contribuables face au vacarme ? Qui contribue à ce que j'élève la voix et que d'autres lèvent les armes? Arme blanche ou arme à feu, sur ma feuille je les condamne. Avec mes mots fais feu pendant que l'État ricane. Avec l'euro, l'Europe, ça joue à l'américaine. C'est urgent, l'argent lui aussi est devenu une arme, une pompe à terme. Dieu crie à l'homme, l'homme crie à l'argent. Je n'image pas son esprit subalterne. Le mal est bien présent vu qu'aujourd'hui l'argent gouverne. L'homme le fait porter des ailes. Combien de mères pleurent d'avoir perdu leur chair? Tous une fois perdus sur les batailles des champs de guerre. Depuis que le monde est monde, il a connu seulement 50 ans de paix. Le reste il a passé sous le grondement des bombes. Avant la poudre à feu c'était les croisements de l'épée. Colt 357, AK-47, Kalashnikov, cocktail Molotov. Ceux qui prennent les armes se trompent et n'auront pas les tops. L'arme en mer les chauffe, tout fumant finira dans un coffre. Colt 357, AK-47, Kalashnikov, cocktail Molotov. Ceux qui prennent les armes se trompent et n'auront pas les tops. L'arme en mer les chauffe, tout humain finira dans un coffre. Guerre du feu. Depuis la nuit des temps, l'homme prend les armes à la conquête des terres de Satan. Guerre de cent ans. De peuples dans les froids, durant un siècle, des gens s'affrontent au nom de la gloire des rois. Guerre froide. On instaure la crainte, la paix par les armes, ainsi que ses conséquences malsaines. Guerre sainte. Le mal s'évite ville en ville, les missionnaires foulent les sentiers de la haine, les tuiles se vident. Guerre. On arme des enfants d'Afrique, brûle des casques, viole des femmes, sème une ambiance de panique. Guerre ethnique. La même culture, la même langue, pourtant quand ils se croisent, pas de la même race, alors ils s'étranglent. Guerre de gang. Contre la vie pour un territoire, quoi que la vie ne se mérite pas un prolique comme exutoire. Guerre contre soi. C'est le combat que j'ai choisi, car j'ai compris que la nature humaine fait de moi mon pire ennemi. Colt 357, AK-47, Kalashnikov, cocktail Molotov. Ceux qui prennent les armes se trompent et n'auront pas les tops. Tout humain finira dans un coffre. Colt 357, AK-47, Kalashnikov, cocktail Molotov. Ceux qui prennent les armes se trompent et n'auront pas les tops. L'arme en mer les chauffe. Tout humain finira dans un coffre. Dis aux armes citoyens, moi je prends pas ce parti et reste auprès des miens. Avec comme seule arme mon éloquence, la course à l'armement pour eux une dépendance. Beaucoup d'hommes se prennent pour des soldats, rond à l'armure et un automatique. Ouais, c'est pas les soldats. Épée, sabre, arme de contact, roquette, grenade, arme d'impact, mitrailleuse, kalash, arme lourde, canon, revolver, arme poudre. Sans arme, ni haine, ni violence, nous pouvons vivre. Fais tourner ton cerveau et prends donc ce livre. Tout ceci pour moi n'est pas un enthousiasme. Déjà trop de gens tombent dans le marasme. Je suis pas là pour faire la morale, juste un cours généreux. Car sur cette terre, tout le monde oublie de croire en Dieu. Colt 357, AK-47, Kalashnikov, cocktail Molotov. Ceux qui prennent les armes se trompent et n'auront pas les tops. L'arme en mer les chauffe, tout humain finira dans un coffre. Colt 357, AK-47, Kalashnikov, cocktail Molotov. Ceux qui prennent les armes se trompent et n'auront pas les tops. L'arme en mer les chauffe, tout humain finira dans un coffre. Comment se fait-il qu'en 2009, les milices dont les leaders n'ont pas de cœur puissent en toute liberté utiliser cette innocence, cette insouciance que les enfants ont comme richesse? Ils déchargent les écoles pour remplir un barillet, leur font croire par tous ces tracts de propagande, leur foutent le trac que le savoir n'est pas une arme. Quand vient un homme, quand on est mort pour son pays, c'est la seule solution qu'ils n'ont pas d'autre choix que pour défendre la nation. Qu'il y a peu de manières de faire tomber l'occupation. Une guerre se résume par des parents qui perdent leur fils. Tant de victimes innocentes et de familles décimées. Ouvrez les yeux, c'est pas une bande dessinée, mais la triste réalité. Réaliser que le monde sombre de jour en jour, que ça passe rapidement de l'amour à la haine. Et vu que le savoir est une arme, rechargeons-la en permanence. Savez-vous qui va hériter du royaume de la terre? Les marchands d'armes. Parce que tout le monde est trop occupé à s'entretuer. C'est le secret si on veut survivre. Ne jamais faire la guerre.